vous regardez RTL. Bon, écoutez. Alors là, je vais vous dire, franchement, pour trouver cette réponse, je vais pouvoir utiliser le titre du film, parce que trouver cette réponse, c'était pas La mer à boire. Ah, c'est facile. Et c'était le titre du film, La mer à boire, avec Jean-Paul Belmondo et Tina Lollobrigida. Péroni l'aurait pu trouver quand même. C'était l'expression que j'adore, moi. Ah oui ? Ben alors pourquoi vous ne l'avez pas trouvée si vous l'adorez, cette expression ? Parce qu'elle m'a été dite dans des circonstances que je ne peux pas dire. Voilà. Vous la connaissiez, cette expression, c'est pas la mer à boire, Stevie ? Ah oui, j'ai toute ma vie, j'ai entendu cette expression. C'est pas la mer à boire, tu vas y arriver. Allez, courage, tiens bon. Tiens le cap. C'est haut. Tu l'as tenu le cap, ouais. C'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Péroni, quand même, vous auriez pu trouver ça, c'est pas la mer à boire. Non, mais un jour, il y avait un gars qui avait pris une bonne cuite chez moi et. Ah ouais. Et le lendemain, on lui dit « ça va, c'est marrant, hein, je ne l'ai pas vu venir. » Mais il y a des soirs, on boirait la mer. Ah oui. C'est joli comme expression. Ah bah voilà. Cette expression daterait du XVIIe siècle et serait extraite de la fable de Jean de La Fontaine. Vous allez nous la dire parce que j'aime bien quand vous lisez, chef. Ah, vous aimez ça ? Ah, vous lisez bien, vous savez. Elle est un peu longue, je vous préviens. C'est pas grave. On aime bien. Les deux chiens et l'âne mort. Vous m'arrêtez quand je vous ennuie. Hein. Non, on se régale, Et vous pouvez la commenter aussi. C'est comme à l'école, c'est l'instituteur a le droit, évidemment. Non, mais allez-y, vous lisez bien. Tu nous ennuies jamais. Jamais. Demandez-moi un taxi. Les vertus devraient être sœurs, ainsi que les vices sont frères. Dès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs, tous viennent à la file. Il ne s'en manque guère. Est-ce que vous suivez là déjà? C'est trop bien. J'entends de ceux qui n'étant pas contraires peuvent loger sous même toit. Waf waf. À l'égard des vertus, rarement on les voit toutes en un sujet éminemment placé. Se tenir par la main sans être dispersé. L'un est vaillant mais prompt, l'autre est prudent mais froid. Parmi les animaux, le chien se pique d'être soigneux et fidèle à son maître. Mais il est sot, il est gourmand. Ces deux matins qui, dans l'éloignement, virent un âne mort qui flottait sur les ondes. C'est pas beau. La suite après la pub. Le vent de plus en plus l'éloignait de nos chiens. Ami, dit l'un, tes yeux sont meilleurs que les miens. Porte un peu tes regards sur ces plaines profondes. J'y crois voir quelque... J'y crois voir quelque chose. Est-ce un bœuf? Un cheval? Et qu'importe quel animal, dit l'un de ces matins. Voilà toujours curé. Il y avait un curé dans l'histoire du toujours curé. Le curé. Vous avez dit qu'on pouvait intervenir. Oui. Hein. On a vraiment tué la concurrence. Pour pouvoir se permettre comme ça, un quart d'heure de fable. Si je puis. Ah, bravo, Laurent Ruquier. Si je puis me permettre, en fait, ce n'est pas matin, mais matin, car il s'agit de chien. J'ai bien dit ça, matin. Non, vous dites matin. C'est matin avec un accent circonflexe. Autant il dit spaghetti, là, il a dit matin. Dis l'un de ces matins. Toujours curé. Encore curé, c'est-à-dire, quoi qu'on fasse, il y aura avec thèse. Voilà, la curée. Dis-là de ces matins, voilà, toujours curé. Mais comment tu fais pour lire ça? Il n'y a pas un mot sur trois que tu comprends. Le point est de l'avoir, car le trajet est grand. Et de plus, il nous faut nager contre le vent. Buvons toute cette eau. Notre gorge altérée en viendra bien à bout. Ce corps demeurera bientôt à sec et ce sera provision pour la semaine. Voilà mes chiens à boire. Ils perdirent la laine et puis la vie. Ça a de la laine, les chiens? Non, la laine. Voilà mes chiens à boire, ils perdirent la laine. Et puis la vie. Ils firent tant qu'on les vit crever à l'instant. L'homme est ainsi bâti quand un sujet l'enflamme, l'impossibilité disparaît à son âme. Combien fait-il de vœux, combien perd-il de pas, s'outrant pour acquérir des biens ou de la gloire. Si j'arrondissais mes états, si je pouvais remplir mes coffres de ducats, si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire, tout cela, c'est la mer à boire. Mais rien à l'homme ne suffit pour fournir au projet que forme un seul esprit. Il faudrait quatre corps, encore loin d'y suffire. À mi-chemin, je crois que tout se demeurerait. Oui, ben ça va maintenant. On a eu la citation. Et voilà. Quatre Mathusalem, bout à bout, ne pourraient
mettre à fin ce qu'un seul désire. Ah, voilà. Ah oui, oui, oui. Invité mystère, est-ce que vous êtes un homme?